tous de milieux très différents, c'est ça qui est intéressant aussi. Je trouve que justement, il y a un esprit global dans l'école. Sachant qu'on a tous des âges différents, finalement, la cohésion se fait assez naturellement entre les promos. Déjà, il y a une bonne ambiance dans la nôtre, un bon dynamisme. Et surtout, je reviens encore à cette idée d'un peu d'entraide, ce facteur un peu humain qui est là, qui est important. Et la cohésion, elle se fait vraiment naturellement, et les affinités entre les gens des différentes promos se fait naturellement. Là, je suis en troisième année, et du coup, c'est que du bonheur, parce que c'est très enrichissant. La force, c'est les stages cliniques, et on apprend énormément. Ils nous poussent à pratiquer, ça, je pense que c'est vraiment un plus dans l'école. Personnellement, même, ça fait aussi travailler sur soi, donc c'est aussi intéressant. Je pourrais dire que ça a transformé ma vie, quoi. C'est que je ne vis plus que par l'acupuncture. J'ai choisi vraiment l'école par hasard, par instinct, et je crois que j'ai vraiment fait le bon choix. Je ne connais pas les autres écoles d'acupuncture, mais j'ai du mal à croire qu'il puisse exister une école encore mieux que celle-ci. Je pense que j'ai de la chance d'être tombé dans cette école et que je suis plutôt content d'y être. Moi, ça fait 8 ans que je suis dans Imhotep. Puis j'ai pas l'intention d'arrêter là, donc oui, moi je vais continuer. Je suis super contente d'y être. Je suis très contente d'avoir fait le choix de suivre cette école et d'avoir rencontré tous les gens que je rencontre, que j'ai rencontré, que je rencontrerai encore certainement. Je connais pas les autres écoles, mais en tout cas je regrette pas d'être rentrée chez Imhotep et j'ai encore un long chemin devant moi.